Alors que leurs relations ne sont pas au beau fixe depuis déjà un bon moment, les couples respectivement formés par le prince William avec Kate Middleton, et le prince Harry avec Meghan Markle, semblent avoir les astres de leur côté actuellement. En ce qui concerne le prince et la princesse de Galles, l'astrologue Patrick Arundel a indiqué dans les colonnes du Daily Mail que le couple princier ferait preuve d'instinct au sein de leur maison, notamment en ce qui concerne leurs enfants. Le prince William apprécierait grandement la place occupée par Kate Middleton dans les réceptions mondaines. Ils auraient en outre de très bons liens autour des valeurs qu'ils partagent. Toutefois, les astres indiqueraient aussi un manque de sympathie du prince de Galles pour son épouse. Cela peut paraître paradoxal, mais les astres suggèrent également que le prince William pourrait se retrouver pris d'un besoin de liberté, d'indépendance et de sensations fortes. Leur relation semblerait néanmoins avoir un sens dans le cadre d'une mission partagée d'amitié et de coopération. L'astrologue Patrick Arundel s'est aussi penché sur le cas du prince Harry et de Meghan Markle. Apparemment, le duc et la duchesse de Sussex partageraient la même combinaison astrale que la reine Elisabeth II et le prince Philippe lorsqu'il était encore de ce monde. Harry et Meghan, le duc Sussex pourrait enfin devenir lui-même dans un avenir proche. Cela signifie concrètement que le prince Harry et Meghan Markle se soutiennent mutuellement. Ces derniers sentent ainsi qu'ils peuvent compter l'un sur l'autre. Les astres préciseraient par ailleurs que le fils cadet du roi Charles III et son épouse vont avoir beaucoup de choses à dire dans le futur, notamment sur la façon dont ils peuvent aider les autres à travers leur bonne cause. Un fort pouvoir d'attraction devrait ainsi lier le prince Harry et Meghan Markle. Totalement épris de sa femme, le duc de Sussex devrait par ailleurs pouvoir se permettre d'être enjoué, décomplexé et lui-même à l'avenir. Bref, les planètes semblent être parfaitement alignées pour le couple. À propos de l'auteur Clément Machetto, passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui, le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Point. Ces derniers articles et Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïtena Biraben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher. Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-amant en GE. On your own, but yeah.